ce soir. Que voulez-vous ? Oh, bonjour. J'ai tué un ours hier. Et vous ? Vous avez tué quelque chose ? Ouais. Je m'occupe des guerriers de Yorvaskr depuis toujours. Si vous vous demandez ce que je fais, je cherche mon compagnon qui a disparu. Alors, est-ce qu'il est mort ? Est-elle vivante ? Je ne sais pas. Archer a fuite. Oh, oui, je crois qu'il ne pouvait pas mourir. Il est là. Est-ce que ça va mourir? Si vous avez des questions, posez-les-moi. Ne perdons pas de temps. Ah oui, elle est morte. Super. Premier machin, malgré. Bizarre ça. Ils sont mortes. Qu'Azura vous éclaire de sa sagesse. Je dois surtout m'occuper de petits vols et de bagarres d'ivrognes. Ça fait trop longtemps que les bandits nous ont pas attaqués. Je peux y réapparaître comme ça. Moi aussi, j'aimais l'aventure autrefois. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Allez, on en va, collègue. Prépare-toi à courir. Il est temps d'en finir. Bonjour Adam, bienvenue sur le live. Tu peux pas t'en occuper là ? Je vais faire chier à descendre.
Toi, qu'est-ce que tu foutais, toi? C'est qui celui-là? Je vais vous montrer de quoi un orc est capable. Ah. Oh. Salut Edman, bienvenue. Cadeau que je dois trouver. Pépite d'or, défense de maman, de sa ferme. J'en ai déjà trouvé. Thank you.
désert, particulièrement cette saison du 20 avant voilà. Plus au nord, les insis sont le fait de rester ici, ils ne sont même pas réfugiés. Il va y éternel.
Stupide être mortel. Nul ne peut vous cacher des morts. Your turn!
les adversaires les plus puissants. Allons-y. De quoi avez-vous besoin? Non, moi, c'est moi qui vais te donner des trucs. Passez devant. Ah bah oui, ça je sais que je vais passer devant. C'est pas toi qui va le faire. Vers le bas, le personnage chut, il tombe. C'est l'entrée, les entrées. Mon collègue ne me suit pas. Ah, si, il est là. Allons-y. Allons-y. Attendez, je vous connais. Moi aussi, je connais bien ta voix aussi. Que les divins soient avec... plaît-il ? Enfin ! Ça fait 20 ans que je cherche ce tambour. Les finances de l'académie ne sont pas unies en ce moment, mais je peux vous montrer quelques astuces que j'ai apprises quand j'étais à l'armée. Alors, vous êtes au bon endroit. Il faudrait que je retourne à mon travail. C'est bon ?
toutes mes capacités qui augmentent toutes seules. Il dit, en quelle année le domaine Almeri a-t-il envahi l'Empire? Oh, pardon. J'ai parfois la tête ailleurs. J'étais en train de penser aux luttes de filles. Il y a plus d'un an, des voleurs se sont introduits dans l'académie et ont filé avec de nombreux objets précieux, surtout en or et en argent. Mais ils ont également volé le luth de Finn. Nous venons d'apprendre où les bandits se sont enfuis et j'aimerais beaucoup récupérer ce luth. Mais dis-moi où c'est, je vais. Finn était le barde qui a inventé le luth à 8 cœurs et qui est très répandu aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'ils découvrent un moyen d'ajouter les cordes des cœurs supplémentaires, les bardes ne possédaient que des luths à 6 cœurs. Le luth qu'ils ont volé est l'authentique luth à 8 cœurs de Finn. Je doute qu'ils se soient rendus compte de sa valeur. Heureuse que cette distraction ait pris fin. Bien, il dit. Continuez comme cela. Jorn, que s'est-il passé pendant l'année écarlate? Il y a eu une explosion titanesque. Puissent les dieux veiller. Et pourquoi ne le saurais-je pas? Nous chantons les exploits ainsi que les intrigues des rois et des reines, c'est vrai. Mais savez-vous qui écrit vraiment l'histoire? Celui qui tient la plume. Ouais, comme d'hab. Revenez quand vous voulez. Le monde écarlate de Vardenfell entre en éruption. Pas d'approximation, Jorn. Le plus jeune barde de l'académie, à votre service. Tout ce que je veux, c'est obtenir mon tout ce que vous souhaitez. M'enrôler dans la Légion. Mon tambour, mais pourquoi faites-vous cela? Vous n'êtes pas d'ici, hein? Bienvenue à l'Académie des Bardes, qui est une sorte de musée musical. C'est tout. Je pense qu'il va me donner les dernières. Je suis si contente que vous reveniez indemne du tombeau de... On vous a confié... une tâche plus ardue que la mienne. Vous savez, j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas beaucoup à l'Académie. Ah non, pourquoi ça? Je peux vous aider? Non, non, pas de chose. C'est des quêtes une par une. Enfin, je l'ai fini en même temps, ça aurait été plus rapide. Je suis la doyenne de lutte. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Je ne... Il faut que deux choses pour faire un bon professeur. Une bonne histoire se compose de la patience. Puis un bon bâton de bois. Bon, on cherche ce lutte. T'as une sale tête, Miltas. Je vais toujours passer au camp, j'avais dit je vais passer au camp. Ah zut. Chaque live, je vais dire, je tombe doucement. C'est une grotte, remplie d'animaux ou de bandits sans doute. Ce sera pas là-haut. J'ai vu quelqu'un passer.
direction la troisième grotte. Jamais dû venir ici. La porte est tranquille. Quelle bonne surprise! Je crois avoir entendu quelque chose. Aucune chance, père. Hein?
pas choisir ça. J'espère que ceux qui regardent en direct ne sont pas trop. Demain, on attaquera les voleurs, la prairie noire, je sais pas quelle faction il nous reste à faire. Bon, les voleurs, les assassins, les quêtes draïdiques, les brasses draïdiques, je sais plus quoi. C'est pas là que je dois rentrer. Si, une fois que j'aurai fait tout ça, j'aurai un petit peu fait. Trois quarts du jeu, si je dis pas de bêtises. Bonsoir. Je m'appelle... Bien. Essayons quelque chose. Si je suis... Quoi, vous l'avez trouvé? Oh, par les divins, vous l'avez trouvé. Je ne pourrai jamais vous payer la valeur de ce loot, mais je peux vous enseigner quelques astuces que j'ai apprises au fil des ans. Heureuse que cette distraction ait pris fin. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge, qui vint à Blanche-Rive et entra dans un bouge. C'était mieux, Ataf. Ajoutez un peu d'emphase sur Ragnar et sur Rouge. N'oubliez pas, votre travail est de jouer ces morceaux, d'enflammer les foules. L'imbécile, Larina. Cette petite idiote m'a volé ma flûte et l'a vendue à une sorte de nécromancien. J'ai reçu une demande de rançon pour la récupérer. Cette flûte passe de barde en barde depuis 17 générations. Eh bien, ne restez pas là, allez chercher ma flûte. Dame Athéa dit que ma voix est la plus belle après la sienne. Mais elle me faisait toujours de si cramer si tu me parles comme ça encore. Le plus jeune barde de l'académie. Faisons le temps des oppresseurs. Je vais faire la démonstration pour la classe. Chose à venir. Sous-titrage.
aussi un épisode pratiquement super doux, tu vois, la mousse. Musique de Fail. Ah bah désolé ma monture. Désolé. Donc je suis. Ça, il n'y a plus de quête de barde. Ils vont me tuer. Est-ce que je sache? Attention, il faut se cirer. Vous ne pouvez pas m'abandonner ici. Your turn! Your turn!
Oh, tant! Merci à toi. Tac. Ce que je cherche, moi, il est...
live après avoir fait haute écaille. Pour avoir une meilleure monture, plus solide, qui accepte de sauter de 30 mètres. Votre famille est méthodique. Elle est même la méthode et sa mélodie. Que les divins... Mon travail comme doyen d'histoire couvre un large éventail de matières. J'enseigne la poésie, l'écriture, l'histoire, ainsi que les notions les plus délicates de la vie à la cour. C'est toi qui parles. Quelle époque fascinante nous vivons. Alors, vous êtes au bon endroit. Il faudrait que je retourne à mon travail. Ouais, ne te gêne pas. Retourne bosser. Puisse les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Si vous aimez l'histoire, vous ne pouviez pas mieux tomber. Bord de ciel en regorge. Les gens, non ? Attendez, ouais. Je vous connais. Désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Je suis en train de préparer mon mariage et j'ai tant de choses à... J'ai eu l'honneur... C'est bien elle. Merveilleux. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je n'ai pas d'argent à vous donner, mais je peux vous montrer quelques tours que j'ai appris en jouant pour les magiciens de Fort d'Hiver. Maintenant, vous pourrez dire que vous avez rencontré le barde le plus talentueux de tout bord de ciel. Certains disent que j'ai eu ce poste parce que je suis la cousine de l'empereur. C'est ridicule. Cet homme ne m'a jamais rien donné. Il ne s'est même pas donné la peine de venir à mon mariage. Bon. Le plus jeune barde de l'académie, à votre service. Pardon. Papa dit que je ne reverrai jamais plus Rogvir, mais il veut pas me dire pourquoi. Vous voulez jouer au jeu du loup ? Revenez me voir, on jouera au jeu du loup. Ouais, c'est pas une quête. J'aurai un petit travail pour vous si cela vous intéresse. Vous êtes de passage à Solitude. Ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or.
Faire des affaires avec la compagnie de l'Empire Oriental signifie plus d'or pour l'Empire. Je n'ai pas de temps à consacrer aux gens trop fainéants ou trop lâches pour prendre eux-mêmes leur vie en main. Il y en a qui méritent des WC. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'espionneriez pas à la solde des impériaux, des fois. Attendez, je vous connais ? Que les divins soient avec vous. J'imagine que vous avez une bonne raison de m'importuner. Vous êtes là pour admirer Balimund réaliser des miracles avec de l'acier, hein ? Vous souhaitez faire ce que je fais ? Très bien. Revenez quand vous voudrez. Nous vous accueillerons toujours chaleureusement. Un petit peu, hein. Eh bien, je vais remercier les personnes qui m'ont regardé en direct. Nicolas, Adam et... une personne qui habite en Belgique. J'ai plus le nom, ça va revenir. Merci à vous d'avoir regardé en direct. Je remercie aussi ceux qui m'ont regardé en replay. N'hésitez pas à laisser un like sur YouTube et un commentaire pour donner des conseils, etc. Je vous verrai tout, hein. Donc c'est constructif. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch et YouTube, l'une ou l'une et l'autre, hein, comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la clochette de YouTube pour être prévenu sur sûrement des prochains lives et vidéos mises en ligne. Et je vous dis à dans deux jours pour commencer la série de quêtes de la faction des voleurs. En tout cas, essayez. Je vous remercie. Au revoir et bonne soirée ou bonne journée. Merci.